Bon, l'arbitrage d'hier, surtout deuxième période, nous a bouleversé tout. Première mi-temps, plus ou moins, c'était un très bel match de la part des deux équipes. Mais deuxième période, l'arbitre l'a sorti carrément à faire le match pour Berkane, ça c'est sans doute. Il a maltraité les joueurs, il a manqué le respect, il a insulté. C'est la première fois dans ma vie que je vois un arbitre comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Jamais ici au Maroc, j'ai vu une situation pareille. Déçu par complet, oui, parce qu'on est honnête, on sait, si tu perds, tu perds. Je suis le premier à accepter sportivement qu'une équipe il te supère. Parfois, tu as la malchance, comme ça nous a passé contre Hushima, qu'on a perdu avec malchance. Jamais je parlais de l'arbitre, jamais de rien. Mais cette fois-ci, ce n'est pas comme ça. Si vous vous rappelez le match de Raja aussi, il a eu un pénalty qui est énorme, que seulement les quatre arbitres ne sont pas vus. Ils sont niés à tout moment. Et qu'est-ce que tu peux faire devant de ça? Seulement, le public il doit prendre ses conclusions, les supporters. À moi, ça me fait mal parce que pour moi, le football, c'est un spectacle. Et avec des attitudes comme ça, ça dégoûte. Il y a beaucoup de monde qui dit je ne vais plus voir le football à cause de ça. Et bon. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.